Et salut à tous et bienvenue, je suis Nekloguis pour vous servir et j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi, pour la suite de l'aventure Elden Ring qui ne reprend pas tout de suite à Fora Bazula, parce que entre deux épisodes, eh ben, je voulais aller à la table ronde pour améliorer une des armes en plus 10 avec la pierre de dragon qu'on a eue là, et on est tombé sur ça. Du coup je me suis dit, je vais pas faire les améliorations au cas où que ça fasse proc des trucs. Et voyons voir. Du coup, ça donne quoi ça? Perle cinéraire de Corbin. De Corinne, pardon. Et robe de. Ah! Mais lui, il a dit qu'il voulait se barrer à la capitale. Sauf que du coup, il a pas eu le temps. Très bien. Il a pas eu le temps, il a crevé ici. Ok. Ici, ça va, tu le vis bien toi Absolument. And the round table is soon to follow. Ah, no need to fret about that. The round table hold served to put a tarnish upon the throne of Elden Lord. And if the Erd Tree needed to burn for that to happen, then the round table must go as well. Il le prend vachement bien. Hein. Dans les deux milieux qui me restent à trouver. Michaela, Malenia. Rani, on s'appelle une fois qu'on a géré nos problèmes. Et le seigneur du sang. Ok, donc ouais. Il m'en manque 3. Ah, en gros, t'as foutu la merde. Alors, non. Enfin, oui, enfin, bon. Un peu. Ah oui, on a plein de choses à donner, là. Plein de perles cinéraires. Alors du coup il vendait quoi lui déjà? Ah oui, des magies nulles. Ici. Alors on peut faire 1, 2, 3, 1, 2. Ah il manque le 3, 4. On a 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muguet 7, 8, 9. Muguet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon ça va, on est pas mal. Je pense que ceux qui me manquent, j'irai potentiellement les chercher soit soit sur un live pas forcément rediffusé, soit sur du hors live. Toutes les perles cinéraires qui me manquent. Que ce soit pour les pierres de forge, les muguets, etc. Alors choupette. Take a look around. The round table hold is burned. Raised to the ground. Don't worry. I don't blame you. I'll continue spirit tuning just the same as before. Which is why I need your help persuading Master Hugh to leave. His roots are so knotted in this place. He won't last much longer if he stays here. His shackles are broken. He's a free man now. It's high time he put the round table behind him. Ok. Ok, ok. I see. You're here. Pas de dialogue de plus. On va aller voir Maître Forgeron. I knew you'd be back. Lay out your arms. Pourquoi vous forgez encore? Weren't you listening? As I've always said, you came to challenge the demigods and their god, to slay them. And as long as you do, I will always smith your weapons. It is what I wish. To smith a weapon for you to slay a god. D'accord. Bon. Ah ouais, mais moi il me faut des pierres de forge sombres, des dragons anciens. Ah, je suis deg. Mais du coup, voyons voir juste pour tester. Attends, 21. Putain, ça monte à combien? Ah, voilà. D'accord, donc pour les armes classiques, ça monte jusqu'à 25. Et donc là, bien, en effet, il me faut une pierre de forge de dragon ancien, celle qu'on a récupérée. Je vais pas l'utiliser ici, parce que bon, en soi je pourrais, hein, sur mes rapières.
Donc là, on est d'accord qu'il n'y a toujours rien. Ça, ça ne s'ouvre toujours pas, on est d'accord. En effet, on va aller voir du coup ce qu'il y a d'autre. Hein. Rapidement. Je sais plus si elle était toujours en bas, l'autre, là. Ouais. In this ash, I can smell the ancient storm. It reminds me of my first hawk. D'accord, toi t'as toujours pas bougé. Quelque chose ici? Non. Non plus. On va juste aller voir Mamie Grelot et puis et ensuite on va se casser. Hein. Mais bon voilà, je voulais au moins faire ça en épisode au cas où il se passe un truc. Rien de nouveau ici. Rien de nouveau ici. Je dois vous laisser, je serai pas là, c'était longtemps. Passez une bonne fin de stream, à la prochaine. Ça marche, Shikada, merci quand même à toi d'être venu. La bonne fin d'après, mais et au plaisir. You've done it, I see. What use do you have for me now? I am a finger reader. I will remain here until their dialogue ends and the fingers speak again. Do as you please. Now you may. Ok. You'd force this tired old crone to work. Absolument. Ah, harder taskmaster have I never met. Et oui, d'ailleurs, au fait, avec le géant de feu. Tresse rousse. Ah, c'est un fouet, du coup. Très bien. Tous les géants possèdent une crinière écarlate et on raconte que Radagon détestait sa propre chevelure rousse. Telle était peut-être la malédiction de cette espèce. Danse des flammes, vous imprégnez la tresse rousse de flammes des géants et effectuez un enchaînement de frappe leste dans une large zone. Oh, ça doit être stylé. Et ici, c'est de la foi, donc on s'en servira pas. Érigez plusieurs piliers de flammes autour de vous, chargez ce sort pour accroître la quantité de piliers. Les géants de feu empruntèrent le pouvoir d'un dieu cruel, mais furent tout de même vaincus. Pour autant, leur échec les avait libérés de leur malédiction. Ils n'étaient plus contraints de protéger la flamme pour l'éternité. Vas-y, je suis curieux. Bah, mais ça demande de la foi, donc on le verra probablement pas. Bah, pas grave. Je vais la prendre. Et on verra. Pas d'armure de géant. Pas de pagne en poil de géant, c'est bon. Du coup, voyons voir. Bon, de toute façon, je pourrais pas l'utiliser ici. Et ben, allons-y, hein. Allons-y. Non, c'est pas... Non, c'est là-bas. Alors, c'était lequel? C'était le balcon. Alors. Ouais, je peux pas l'imprégner. Mais en effet, c'est une large zone. Un maillot de bain, un poil de géant pour dragon pour des tueurs de dragons. Bah, en vrai, il y a un style. Hein. Pour draguer des dragons. Mais ça, c'est la puissance du pagne. J'y peux rien si vous ne reconnaissez pas la puissance du pagne. Hein. Ah, pour draguer des tueurs. Ouais, non, bah là... Bref, live Saint-Valentin. J'avoue que le live Saint-Valentin... Ah, c'était quelque chose, hein. Bon, rien de spécial par ici. Quand même faire le tour au cas où. Oh, il y a... Mais... Ah, il y a, il y a, il y a. Ah, piège à con, là, sans deck. Et j'ai sauté à pied de joint dedans. Ouais, vas-y, t'as pas traversé le mur. Mais vas-y, je t'en prie, t'as pas traversé le mur, je dirais rien.
Ok. YOLO! Ouais, y'a, tiens, ouais. Oh, j'ai dégagé son cadavre à l'autre, là. Oh, ce saut, il va me tuer. Au sens propre. Ça va. On est pas mort. Alors, on peut descendre par là. Je pense que je peux remonter si jamais. Quoique. Je ne pourrais pas remonter si jamais. Aïe! Mais putain. Des flèches dorées. Vous savez, je suis un peu plus calme là, mais j'ai pas envie de tomber comme un con. Date lance-flamme. Non. Bon, hé, l'autre derrière, là, tu me saoules, hein. T'es où? Ah, là! Ouais, mais moi, je peux pas l'avoir. Nul. Du coup, par là. Aïe, putain, arrêtez! Ah, je me fais martyriser, quoi. Alors, on a une descente ici. Un feu là-bas! Donne! Donne le faya! Allez, mais je peux plus remonter là. Si. Alors, je parie que je ne peux pas remonter. J'avais dit. Au moins, c'est vérifié. Par contre, on peut descendre. Bon, ça veut dire qu'il va falloir que je repasse par là. Parce qu'il y a deux trucs qu'on n'a pas vus avant que je descende, en fait. On va prendre lanterne. Hop là. Et on redescend. Salut, salut, super salut. Salut, salut. Alors ici, ouais, il y avait rien en haut. Ouais, hey. C'est un des deux trucs que je voulais voir. Parce que je suis descendu là assez vite et au final, j'ai pas vu. Et l'autre truc que je veux voir, c'est ce trou là. Est-ce qu'on peut descendre sans crever ici? Ouais, je pense. Ouais. À l'aise. Oh, putain. Non mais oyo hein. Celui-là me paraît trop simple, non? Oh, non. Vu comment il est placé, je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un sur le bord qui nous attende, mais même pas. Alors là, je peux aller là pour remonter. Il y avait quoi d'autre? Il y avait rien d'autre. Hein. Si, il y avait un chemin là-bas tout au fond. Bah, au pire, on reviendra. Hein. J'ai failli tomber sur ce saut. Où est-ce qu'on va? C'est quoi ce chemin? C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'on fait? On est où? Ah bah. Toi! Va voir en bas si j'y suis!
Alors on peut descendre là. Là il y a un loot goldu. Je m'attends à ce qu'il soit protégé à mon retour. Même pas. Ah bah si, évidemment. J'avoue, ce couloir de piñata. Épée courbée de bandit. Oh, je crois qu'elles étaient sympas, mais en s'allumant celle-là. Ah, peut-être pas. L'âme est en grande partie noircie et couverte de rouille, mais pour qui dispose de suffisamment de dextérité, cette arme peut s'avérer encore utile. Non, c'est pas celle-là. J'eus cru, mais en fait pas du tout. Wow, 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 wow. Ok, bah du coup on va redescendre. Parce qu'il y avait un deuxième chemin si je dis pas de conneries. Bonjour monsieur. Bah. Pas sauter par dessus comme ça. Je me demande si je peux descendre là-bas, mais j'ai pas envie de tenter en fait. Je suis moyen chaud à l'idée de tenter. Surtout quand on peut tenter d'ici en fait. Bon. Bah au pire on a un feu au-dessus donc on va y aller. Hein. Donc c'est ici que je me suis cassé la gueule. Combien ? 60 dis-je. Merci pour ce resub, Blue. Merci pour ce 60e mois de sub. Merci infiniment pour le soutien à la chaîne. Et la générosité. Comment vas-tu? Ah mais j'avoue 5 ans hein, 5 ans de sub mec, enfin bon. Car oh, faut arrêter hein. Ça en fait de l'argent investi. Ah oh. Ah caméra. Aïe 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 aïe. Ouch. Ça en fait de l'argent investi intelligemment. Si tu le dis. Enfin, je vais pas te contredire. Hein. Bon. Ben, ça va impec, écoute, petite journée de reprise des tournages. Et en vrai, on avance bien. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on avance. Ce qui est plutôt agréable en soi, disons-le. Ah, Faya! Donne! Je vais pas forcément me reposer pour pas tout faire repop. Soit j'ai pas claqué grand-chose. Bah, j'ai rien claqué du tout. Wow. Oh. Ah non! Ah, mais c'est... comment il s'appelle déjà? Bah ouais, Bernal! Bon, bah ça veut dire boss, hein, youpi! Let's go! Dieu. Oh, elle sent que peu cher, vraiment là! Vraiment, elle sent que peu cher! Donc là, en plus, on a les deux. Hein. Ah, je suis allé coincé. Excusez-moi, j'en profite. Voilà, des bisous.
Ah, Faya! Voilà, des bisous. Je vous déteste, ne revenez plus. Oh, cendre de guerre, tornade de la flamme noire. Ouais, la magie s'est cheatée. du coup, lequel c'est? Ah bah là, c'était les deux. Les deux sanctochars à la fois. Alors, on a un chemin ici. Perle de pierre de forge 4, vas-y, c'est là qu'on a ce truc. Ouais, du coup, ouais. Hein, Oh. Ulier! Alors, je sais qu'on dirait pas, mais je suis un vrai magicien. Hein. Mais du coup, tiens, juste par curiosité, j'imagine que ça va être dans les objets clés. Du coup, ça donne les pierres de forge 7, 8 et les fragments de ruines. D'accord. Je vais dans les cavernes où les étoiles, c'est fini, elle me perturbe trop. Très bien. Bon, il y a un chemin. Ah bah ouais, il y a un chemin là-haut, mais en fait, il y a juste un loot. Ouais, c'est juste un loot, parfait. Bon, ça, ok. On a un chemin qui monte ici. On a... Bon, on a un chemin ici. Il descend. Ok, il y a du mob en bas. J'ai aucune idée d'où il faut que j'aille, hein, je... Pardon ? Arnaque ! Je devrais pas faire ça, n'est-ce pas ? Non, c'est de la merde, hein ! C'est vraiment de la merde, faut pas faire ça. Bon, avant de descendre, il y a quoi, là ? Ah, il y a une porte jaune, là-bas. Ok, porte de brume en vue. On a un objectif. Ça y est. Il y a d'avoir un gros chevalier d'ailleurs devant la porte de brume. Bonjour. Ouais, genre. Heureusement qu'ils ont pas de vie ces trucs là. J'ai absolument aucune idée d'où je vais. Je... Ah vas-y là. Le décor qui m'empêche de taper à distance. Mais il y a des mobs partout. Allez attends. Ok, là je peux descendre ici. Alors là, on pourrait descendre, hein, mais on va pas le faire. Dans l'idée, on va éviter. Oh, je suis occupé, hein, parlez-vous. Hein. Mais... Putain, on se vise aussi bien l'un que l'autre. Hein. Ici. J'ai aucune idée d'où je vais. La question aussi c'est comment on atterrit là, hein. Parce qu'après avoir quitté la cime des géants, on s'est retrouvé TP ici, mais
Ça, je vais pas y aller. Sans le piège à con, ça. Je me demande si on peut y descendre, là, sur les trucs en bas, là-bas. Oh, je l'ai quasiment one-shot, mais il a fait tellement de dégâts, lui. Alors, on a une porte ici. Escalier ici. Loot ici. Mais où est-ce qu'on est? C'était tellement sûr. C'était tellement sûr. Je me suis dit je vais sprinter pour rush lui, mais j'ai pas eu le temps. Bon. Tout ça pour pas grand chose au final. Pour vraiment pas grand chose. Du coup, bon, on va déjà voir les escaliers, ce que ça donne. Ça mène à quoi ça? Du mob déjà. Voilà. Tant qu'à y être. Yo. Méchant. What? Mais tu viens d'où toi? Pas bon qu'on a pas claqué de ça. Ok, et ça mène où? Juste comme ça, curiosité. Ah, ça remonte. Je m'attendais à ce que ça descende, j'avoue. Oh, Faya! Donne! Ça mène à quoi? Une foutue idée de où je vais. Oh, loot goldu là. Au. Oh, les dégâts. Qui mettent, mille de Dieu. Au. Bon, c'est quoi ça? Rune de seigneur. Oh. Curieux de voir combien ça donne de dames, ça. Non. Tu m'as pas vu. Ça compte pas. Oh, alors. Putain, je l'ai pas vu lui. On va où comme ça là? Oh, le nombre qui sont là-bas. Ah mais oui, c'est cet endroit. Ah. Blue est déjà venu.
Allez, mourez. Ok. Ok. Aïe. Aïe. Je me suis retrouvé, TP là-bas en activant une clé lampière un peu moins noire, un peu plus noire au cas de beffroi. Tu peux pas faire grand chose, t'as quelques plateformes, mais tu ne peux que admirer de loin. Non, tu peux descendre un petit peu. T'as un loot à récupérer. Tu peux descendre un petit peu, t'as un mob ou deux, je crois. Et il y a un loot. Mais oui, oui, on est là, ouais. Sauf que cette fois-ci, j'ai été re-TP, tu me diras. Mais par la puissance du scénario. Quand j'ai vu les claques qui mettaient les mobs, j'ai dit ouais, plus tard. Ouais, ouais, t'as pas fait comme moi, quoi. J'ai dit non, je partirai pas tant que j'aurai pas mort de, tant que je les aurais pas tués. Et on est resté là-bas un quart d'heure. Voire plus. Mais ouais, mettre des grosses claquasses, ça. Graine dorée, c'est bon ça. Arc runique, on s'en fout. Enfin, je dis on s'en fout. En vrai, c'est bien, mais bon. Bon, j'ai vu ce qui était dans l'arbre. Par contre, sacré claque visuelle, l'environnement. Ouais, non, mais clairement. Très clairement, ouais. Je pense que ça fait partie des zones qui m'ont mis la plus grosse claque visuelle, clairement. Genre, il y a juste pas photo. Ah. Où ça? Je t'entends. Là-bas. Ah, ça c'est triste. Un renforcement électrique doré. De la Ouais, oh, tiens, hey, bonjour. Rien trouvé de plus beau que la découverte de l'académie. Pour l'instant, j'avais juste l'impression de voir Poudlard la première fois. Ouais, bah ouais. On est... Bla, d'accord. Bla, 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 bla. T'es où? Bah... Michel? Bah... Bah, plus, hein, du coup. On s'appelle, hein. Ah, c'était pas un rocher. Non, non. J'ai cru aussi, puis l'espace d'une seconde, j'ai bugué. Ouais, mais attends. J'ai envie de descendre là pour voir. Ah, Faya! On va d'abord aller chercher le loot. Alors, les chevaliers, hein. Tu se calmes tout de suite! Au lieu de me coincer contre le mur, tu se calmes! Ou le résumé de ta dernière aventure, bah, Caillou va cracher dessus, puis il s'est enfui en volant. Ah, c'est tellement ça. Ah, on est revenu là! Ok, je vois où on est. Putain, oui, on a fait un sacré détour là, putain, mine de Dieu. Bonjour. C'est pas ce que vous croyez. Ça marche, Abyss, merci à toi d'être passé. La bonne fin d'après, mais... À sort pour le live retour de vacances. Absolument.
Ok, donc par contre, cette partie-là, on n'y est pas encore allé. Hein. Pas encore découvert cette zone. Ah, attends, est-ce que ça ramène pas? Si, d'accord, j'aurais pu arriver au truc Sanctochère par là, en fait. Ok. Ok, ok. On a juste fait un grand détour. Un très très grand détour. Là, du coup... Attendez, ça y est, je suis perdu. Allez, donc ça, c'est la salle des trucs Sanctochères. Link a drop une épée tout à l'heure, elle est juste magnifique. Ouais, j'avoue, j'aime bien l'épée que j'ai chopée, ouais. Mon deuxième espadon de magie. J'avoue que j'aime bien. Mais puisque je vous dis que je suis un mage... Ah bah clé lame pierre. Ça y est, sinon au cas où on se lance un jour dans une run de la débilité sur Elden Ring avec Joker. Ah bah avec grand plaisir. On se fait ça quand vous voulez. Hein. J'ai des noms de perso, vous êtes pas prêts comme dirait l'autre. Oh, putain. Au secours. Ah c'est pas ça que je voulais faire. Non, Krumps. Ça par contre je m'en fous un peu. Est-ce que on n'est pas arrivé au moment où je n'ai aucune idée de où je dois aller? Faut que je trouve comment aller là-bas. Parce qu'en gros, ouais, voilà, en gros c'est ça. La porte de... Ah c'est une sentinelle de l'arbre. Ah c'est un... C'est un chevalier dragon, super. Il est à cheval en plus. Vas-y, il est à cheval, lui. Et moi, j'ai pas le gros cheval. Mais faut que je trouve comment descendre là-bas. Je pense qu'on va essayer de... de revenir à la salle des Sanctochères, là. Puisque globalement, c'est un truc de boss, donc j'imagine que le bon chemin doit être par là-bas. À savoir lequel est le bon chemin. J'aurais bien dit celui-là, moi. Mais ça me fait revenir là. Après, je suis pas allé de ce côté-là. Parce que... Attendez. Ah, je m'ai perdu. J'ai le cheval qui défend une zone où tu peux tomber hein, partout. Ah bah oui. Non mais ça va être super. Je sens on va passer un bon moment là. Bon, c'est aussi pour ça que je voulais pas me reposer au feu. Vu que là, on a quand même clean une bonne partie de la zone. Au moins, on peut visiter sans crainte. Oh, pétard. Ah oui, là. Je crois que là, il y avait un chemin qui montait. Qu'on a pris, il y a ce chemin qu'on n'a pas pris. Ouais, voilà, là on n'y est pas allé. Qu'est-ce que... Bah, calmez-vous, vous, là-bas. Hein. Alors, disons-le, ce loot-là, je le sens pas. Talisman de bouclier draconique. Ouais, ouais, super. Rune 12. Sans crainte, faut juste pas tomber dans... Ouais, ouais, voilà, comme je dis, alors, sans crainte des mobs, en tout cas. Donc là, on n'y est pas allé. Je vois un chevalier là-bas. Alors que l'autre sol se lève. Hop là. Je suis occupé, barre-toi.
Alors. Rien par là. En vrai, alors on peut monter par là. Oh, il m'a éclaté. Par contre, on va pas falloir trop tarder à s'asseoir un feu. Mec, il vous le dit. Et là, paf, un feu. Ah non. Bon, un loot, c'est tout aussi bien, mais... Coucher ! Alors là, je peux revenir là-bas. Mais on va pas le faire. Parce que là, ça sert à rien de revenir. Ouais, c'est... J'ai été pris d'un doute, attends, c'était là qu'il y avait un escalier. Ça aurait été con que je crève de chute juste là. Ah, c'est un chevalier dragon, vas-y là. Ah, j'ai pas envie. Si on peut le backstab... Bon bah j'ai rien dit. Bref. Aïe. Non. Aïe. Putain. Aïe aïe aïe. Non, pas crever comme ça. Pas comme ça. Ah mais vas-y, le pilier qui m'a arrêté mon attaque. Oh ce dash. Ah la violence. Ah c'est bien, peu importe le niveau de jeu, ça reste de la merde ces trucs. Ouais, je les aime pas vraiment. Je suis où? Ah, c'était quel feu? C'était quel feu? C'était peut-être là. Pire mob de l'univers. Ah, je sais pas. Je sais pas lesquels je préfère entre eux et les Sanctochères. Tu me diras, les Sanctochères, tu les vois que en boss. Donc au moins, t'es tranquille. Aïe. Bon, on va essayer un peu plus de rapidité. On va y aller en double L d'Astel. Bon, au moins ça va, le retour est pas compliqué. Cross de résistance. Non. Ah, vas-y, j'étais en train de boire. Ah, je te hais. Toi et toute ta famille. Nous disions donc. Rapidité marche bien en tout cas. Ouais, c'est plus intéressant. Commencer à la magie, switch sur les deux, la double lame.
failli me rater mon saut là. Il y en a un qui vient de se tuer. Ah, belle famille de canards les chevaliers. Ah ouais, non mais tellement. C'est soit des canards, soit des débiles. Parce que entre eux là, beaucoup trop chiants, qui font trop mal, et ceux qui s'envolent et que tu peux envoyer dans le vide, c'est soit des cons, soit des débiles. Lève ton bouclier! Merci! Ouch! On en profite? Voilà! Chial auprès là! Chial auprès de mob! Personne ne t'aime! Ah. Et merci pour le GG! Y'a pas un feu dans le coin sans deck? Oh, t'es sérieux le loot là? Oh, t'es sérieux le chemin là? Oh, il y a un feu là-bas. Je vais tomber. Ça va. Pierre de forge 8. Ah, Faya! Donne! Et vu qu'on arrive sur une nouvelle zone de la DC, on se pose. On se repose et je dirais même qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Sur YouTube, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, la commenter et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de Farum Azula, mais d'ici là, portez-vous bien et que la funk soit avec vous. Ciao, ciao.